Le week-end prochain, par contre, par exemple, vous êtes où là? Alors, le week-end prochain, on est à Sauveterre de Guyenne pour une animation de mariage. Donc, on est conviés au repas et à faire la fête. Et puis, le lendemain, on fait l'anniversaire. Là, vous êtes combien? Toute l'équipe ou... Alors, toute l'équipe quasiment sera là pour ce dimanche-là, la fête du Lardin. Il y en a qui sont encore en vacances, donc bon, voilà quoi. Et comme ça, jusqu'à fin août, c'est que c'est pris, fin début septembre? Oui, oui, y en a qui partent, il y en a qui reviennent, donc là pour l'instant, c'est les vacances, on va dire. C'est incomplet. On n'est pas complet, non? Incomplet, ouais. Alors, comment ça se passe alors les entraînements au lieu quand vous en faites quand même en ce moment? Oui. Ah oui, oui, oui. Alors, dès qu'on peut, on essaye. Donc les mardis soirs, on arrive à les avoir encore. Les samedis, quand on est là. Mardi soir, 18h? Alors, mardi soir, c'est 20h30, 22h. Et les samedis, ben, quand on peut, c'est 13h30, 16h. Et là, on va remettre, bon, dès septembre, des journées complètes, donc 10h, 16h. Ah oui, oui, il y en a besoin. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le turning, c'est beaucoup de choses à travailler. Et quand on a des nouveaux qui arrivent, on est obligé de prendre plus de temps. Et voilà. Quoi. Qu'est-ce qui vous motive tant dans ce projet, les majorettes? Quelque part, on entend beaucoup de critiques en disant « ouais, c'est de la promenade, c'est de la balade ». Non, c'est une activité sportive, physique quand même. Ah ben c'est un sport à part entière. Hein. Elle peut vous le confirmer derrière. Hein. C'est un sport à part entière. Nous, on fait plus de turning. On va marcher plus rapidement. On a des packs qui ne sont pas tout à fait comme la majorette basique. On a tout qui est mélangé en fait. Donc oui, bah après si on prend les majorettes à l'ancienne, ça va être plus calme, plus tranquille. Donc bon, la longueur, ils vont être peut-être plus endurants que certains. Tandis que nous, on est un peu plus speed. Je crois que vous nous connaissez un peu depuis le temps. Pour celles qui pratiquent le twirling, il y a une question d'habileté aussi. Hein. Alors le twirling, c'est beaucoup de passages de bâtons, de roulés, d'enchaînements qui font que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je dis celles, mais il y a aussi des garçons qui pratiquent. Alors oui, nous, on en a deux garçons qui sont très, très bons. Quel âge pour venir, à partir de quel âge? 5, 6 ans? Ah non, 2 ans et demi. 2 ans et demi, et puis il n'y a pas d'âge pour arrêter. Magnifique. Ah oui. Notre plus ancienne, elle a 58 ans. Très bien, alors là, je reste bouche bée. Oui, et puis bon, c'est une passion. Si on aime, on y va. Et puis on le voit tout de suite, hein, si la personne n'est là que pour se montrer, on le voit aussitôt. Alors, je crois qu'il faut être quand même très motivé, il faut avoir beaucoup de passion pour ça, parce que ça demande beaucoup d'énergie quand même quand vous partez le week-end, la route, parce que vous allez faire vous allez en Charente, partout. On a été en dessous de Poitiers cette année. On a fait sur un week-end, le premier week-end de juillet, on a fait plus de 400 km. Sur le week-end, on a eu une nuit d'hôtel, parce qu'un week-end, sur deux festivals sur un week-end, on n'avait pas le choix. Au Radour-sur-Glane, le deuxième à Segonzac, forcément, c'est un peu plus compliqué. On voit du paysage. Les voyages forment la jeunesse, hein, je peux vous dire. Alors, ce qui est magnifique, c'est d'ailleurs, vous organisez vous-même un week-end comme ça, ici au Lardin, qui a eu beaucoup de succès. Et c'est aussi le problème, enfin l'avantage, c'est les rencontres avec les autres clubs, qui sont très sympathiques. Ah oui, nous, tous les clubs qui viennent, on est là pour le partage, de toute façon. Hein, on est plusieurs présidents et clubs avec qui on s'entend super bien. Et bon, d'autres qui sont plus loin, qui vont peut-être venir l'année prochaine, qui ont la même passion et l'échange qui est fait pour ça. Quoi. La majorette est là pour ça, justement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent et qui hésitent, et qui diraient pourquoi pas être majorette, pourquoi pas, et qui hésitent, il leur manque quelque chose, vous leur dites quoi? Mais en fait, les majorettes, il ne faut pas se dire que c'est, on va dire, c'est plus comme avant, c'est pas on reste au garde à vous, on fait trois pas, on fait des mouvements. Non, on a modernisé beaucoup de choses, ça va être des paillettes, moi je dis ça, des paillettes, des strass, on s'éclate, voilà, on s'éclate. Mais que ce soit les dirigeants ou même les pratiquants, c'est le top quoi. Venez nous rejoindre. Vas-y. Non. Oui, voilà, on est timide. Hein. Voilà, on sait pratiquer le bâton, mais on est plus timide quand même. Hein. C'est votre compagnon, on le voit pas à l'écran, mais bon, il est toujours à côté de vous. C'est lui qui tient la musique, oui. Hein, c'est lui qui passe avec la sono, oui, oui, oui. Parce qu'il faut, les majorettes, elles ont besoin d'un rythme, d'un tempo. Ah oui, oui, oui. Oui on fonctionne énormément sur la musique, on ne peut pas faire autrement. Après, on s'adapte, ça va être la musique sono, et après, ça aussi sur les bandas. Ça nous est arrivé dans les communes, pour les fêtes, faire des bandas. Donc après, voilà, c'est une fois qu'on a le tempo dans l'oreille, on envoie.
puis après, quand le beau temps est là aussi, c'est quand même bien. Oui, c'est bien, mais après, pas forcément. Pour Noël, on a eu défilé pendant, il y avait la neige, on a eu des gelées, on a même gelé, oui. Parce qu'on avait les cils, les cheveux gelés, mais on l'a fait quand même. Hein. Vous avez une tenue adaptée quand même. Non. Ouais, enfin, vous avez. Non. À l'époque, on n'avait pas de tenue, on avait la tenue de majorette. Et là, bon, ils ont. Voilà. C'est pareil. Il faut se dire que, ben, on n'a pas froid quand on bouge, c'est après. On va vite se changer. Alors, les roses bleues, est-ce que vos vêtements sont bleus? Alors, non. La rose bleue, enfin, le titre de notre nom est dû à la fleur. C'est la fleur, en fait. C'est une fleur très rare et nous, on est rares. Voilà, tout simplement. Donc on vous voit, vous changez de couleur, les vêtements changent de couleur très fréquemment. Oui, le but du jeu aussi, c'est que les communes voient plusieurs tenues différentes et qu'ils voient le changement. Les chorégraphies, on va éviter de les faire toujours les mêmes. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à plus de 400 chorégraphies, depuis 8 ans. Est-ce que le week-end sera reconduit l'année prochaine ici au Lardin? J'imagine que oui. Oui, et ça prend des grands chemins, on va dire. On va passer de 180 à plus de 250, en principe. Voilà, pour l'instant. Si ça se confirme, on va peut-être arriver même à 300. Et toujours sur une journée. Hein. Oui. C'est énormément de boulot, déjà. On va s'accaparer le Lardin, on va le dire comme ça, parce que je pense qu'on va prendre beaucoup de salles, de terrains et tout ce qui s'en suit pour tout ça. Le défilé au centre-ville avait eu beaucoup de succès. Oui, et puis bon, ça, il est maintenu. Bon, si on a plus de 300 personnes, enfin, si entre 250 et 300 personnes, on va peut-être modifier le sens de circulation. Mais oui, il est maintenu, de toute façon. C'est en accord avec Madame Bourra là-dessus. Madame le maire. Oui, Madame le maire, oui. Donc, ça se passe sous la halle, hein, je crois. Alors, en principe, ça va se passer sous la halle, suivant le nombre. Si on dépasse le nombre, on sera obligé de changer de place, quoi. Vous ferez la surprise. Oui, mais on préviendra sur les réseaux sociaux, grâce à vous aussi, Eva News, Crystal FM, voilà. Tout, on y travaille. On y travaille. On est déjà dessus. Déjà. Ah oui. Mais en fait, quand on a fini le nôtre, on commence à travailler pour le suivi de l'année prochaine. C'est énormément de boulot. Et en plus, il y a des clubs déjà qui, avant de partir, vous disent on sera là l'année prochaine. Donc, il nous faut la date. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et où on va, il faut y aller. Donc. Eh oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements, je ne sais pas, de tout le long de l'année, est-ce que vous faites des animations autres que les majorettes? Alors normalement au mois de novembre on va faire la course de brouette. On la remet cette année. Donc après on attend, on va voir parce qu'on a plein de projets, mais vu les saisons qu'on a passées très très chargées, on n'a pas pu voir plus pour l'instant. Merci Karine Joyer, donc présidente des Roses Bleues en Folie et les majorettes du Lardin Saint-Lazare.